à rien ce que tu fais. T'enlèveras rien. Si. Il les fait tomber. Il fait rien tomber du tout. Tu seras pas plus propre. Tu seras toujours sale. Regarde. Je suis pas d'accord avec toi. C'est de la crasse. C'est sa crasse. C'est pas n'importe quelle crasse. C'est de la culpabilité, voilà ce que c'est. C'est de la quoi? La culpabilité, voilà ce que c'est. Ça nous fait de belles jambes. Oui. Pas toutes blanches non plus. Ouais, mais je culpabilise pas. Est-ce que tu serais capable de faire comme lui? Putain. Tu vois, tu culpabilises. J'en ai partout. Ouh. Regarde ses efforts. C'est pas contre-productif. Quand il y en a plus, il y en a encore. On n'en voit jamais le bout. Se démène comme un beau diable. Tu sais qu'il peut mourir. Tu vois, tu culpabilises. C'est un fa. Pour moi. Pour toi. Et là, c'est quoi? Un fa dièse. Un fa dièse. C'est un fa dièse. C'est le meilleur de tous les fa. C'est le meilleur de tous les fa. Le fa dièse. Il n'y a pas de plus beau fa que le fa dièse. Il n'y a pas de meilleur, de plus beau fa qu'un fa dièse. Celui qui est juste après le fa, juste avant le sol, et quelque part en dessous du sol dièse. Pas le sol dièse, non? Non, pas le sol dièse, le fa dièse. Est-ce que moi, tu pourrais me faire un petit truc à moi? Un mi bémol. Le mi bémol est joli aussi. C'est ce que je croyais au début, que le mi bémol, c'était joli. J'étais persuadé de ça. J'étais naïf, comme la plupart des gens. Tous ceux qui commencent la musique, qui croient que toutes les notes sont belles et qui essayent de trouver la plus belle, celle qui surpasse les autres. En fait, c'est pas vrai. Personne surpasse les autres. Personne. Ni les notes, ni les hommes, ni les femmes, ni les animaux, ni les livres, ni la vie. Tu as quelque chose à m'offrir de mieux que cet homme avec ses notes. Il me fatigue. Il joue tout le temps les mêmes airs. Je m'ennuie. Pourquoi tu ne me regardes pas quand tu me parles? Parce que ton visage m'ennuie. Tu es comme ça avec ta petite barbe de 3 jours parce que c'est à la mode. Sur quoi es-tu si agressive avec moi qui t'es recueillie comme ton père? D'ailleurs, ne suis-je pas ton père? Mon père est beaucoup plus poilu que ça. Regarde-toi, on dirait un enfant de 3 ans. Il n'y a rien. Je suis beaucoup plus poilu. Et quand je serai enceinte, il y en aura encore plus. Ça ferait une ligne comme ça. J'ai vu mes grandes sœurs enceintes, elles avaient une ligne comme ça de poils. Et est-ce que tu les as vues après qu'elles aient accouché? Elles se baladent, tu crois, à poil comme ça dans le salon? J'ai vu des photos de femmes après qu'elles aient accouché. C'est dégueulasse. C'est immonde, toute la peau pend comme ça. Il y a un vide. C'est affreux la naissance. Juste pour cette raison. Pour une raison purement esthétique. Esthétique? Tu penses que mon ventre est comme ça en vrai? Tu penses que mon ventre est vraiment comme ça? Mon ventre en vrai est comme ça? Et si j'exagère, mon ventre est comme ça? Et si j'exagère vraiment, mon ventre est comme ça? Et si j'exagère vraiment, mon ventre est plein de caca? C'est comme ça, là. C'est comme ça, imaginez-le. Des plis, plein de plis. Plein de plis, plein de plis. C'est la seule chose que tu trouves à dire, le plein de plis. Les plis. C'est toi qui plie. C'est toi le pli. Non, je suis pas... Oh. Tu n'es pas quoi? Je parle. Je suis pas... pli. Je suis pas un pli, tu me plais. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est... Je trouve que tu as un petit plus. Allez, plouf, j'ai jeté un petit truc comme ça. Petit... Plouf. Un petit plus. Ça tombe à plat. Toi aussi, tu me plais. J'ai pas choisi. Tu vois, je pensais que... Enfin, j'avais, comment dire... Oui, comment dire, oui. Bah, comme un désir de naître, comme un désir de découvrir un petit peu les... tout ce que j'entendais jusque-là, pendant quelques semaines, quelques mois, et... Mais j'avais envie de sortir seul. De sortir seul? Sans toi. Sans moi? Mais tu ne peux pas vivre sans moi? Pourquoi voudrais-tu le quitter? Oui. C'est pas que je veux pas le quitter, c'est que je voulais pas le rencontrer. Mais ça commence comme ça. Ça a commencé comme ça. Oui, ça commence comme ça. On aurait pu, à ton moins, séparer. Sortir chacun son tour. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? La séparation, la jonction, la liaison, c'est la même chose. Oui, tu veux dire que même loin... Même loin, on est proche. C'est banal. Faites pas ça. C'est pas banal, c'est vrai. Restez ensemble. Tu le dis, t'y crois pas? Si, j'y crois. Pourquoi j'y croirais pas? Qu'est-ce qui te fait dire que je n'y crois pas? Ta voix, je sais pas, c'est pas... Je n'assume pas assez? Ce que t'assumes pas, c'est de vivre à côté de moi. C'est de vivre contre moi, c'est de boire tout dans une seule tasse. La vérité, c'est que toi, tu es toujours dans la provocation. Se coucher dans un seul lit. Tu cherches toujours le conflit. Mettre un seul vêtement. Je vois ton attitude provocante. Regarder une seule femme. Tu cherches le conflit avec moi. Mourir dans une seule tombe, c'est ça que tu veux? Bon, je crois que vous vous collez trop au cul l'un l'autre. Voilà. Voilà, c'est simple, il fallait le dire. Faut se... un moment, faut faire... bande à part, quoi. Vous n'allez pas tous nous gonfler. La séparation, c'est dur. Oui, mais il faut que ce soit sec. Si, voilà, on tourne autour. Voilà! Ne vous regardez pas. C'est bien. Ne regardez pas le passé. Ne commencez pas à regretter ce qui est fait, est fait. Vous dites ça comme si c'est facile. C'est extrêmement dur. C'est vrai que je fais un peu de donneuse de son, mais bon. Vous n'avez jamais aimé quelqu'un? Aussi. Aimer quelqu'un plus que tout? Oh oui. Plus que vous-même? Oh oui. Et vous êtes dit, je vais tout donner pour cette personne. Je vais l'accompagner partout. Je partirai en vacances avec elle, je vivrai 24 heures sur 24 avec elle, si c'est possible. La fusion. La fusion. La connexion. Le fait de ne plus sentir qu'on est deux, mais qu'on est un. Mais un plus. Je parle pas de la solitude, je parle juste de quelque chose de plus. Comprenez, quelque chose de plus. Moi, mais en plus. Je parle pas de... Je parle pas d'un enfant non plus. Je parle de moi, mais en plus. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez pas l'air de comprendre. Non, vous me dites, mais vous ne comprenez pas. Essaie de noyer le poisson, mon gars. Ce que tu fuis, c'est la solitude. Sauf que tu te lèves le matin, t'es seul, tu te couches le soir, t'es seul. Ouais, tu peux y aller, ouais. Dans ce sens-là, c'est bon. Allez, là. On reste concentré, hein. C'est parce qu'il y a un guignol qui rentre qu'il faut pas rester concentré, hein. Il fait chaud. Si, il était comment ce guignol? Il était grand. Hein? Ah, je sais pas, on voit rien, de toute façon il fait noir, il fait chaud. Porter un sac à dos ou pas? Est-ce que tu portes un sac à dos, toi, l'homme grand? Il n'est pas solitaire. Il est parti? Il est assis. Ou il est dans les vestiaires. Ou aux toilettes. Bon bah je remarque que vous n'avez rien remarqué. Quoi? T'as changé de coiffure. Non, t'as changé de culotte. Je vais marcher. Vous allez me dire. T'as acheté une semelle orthopédique. Ton décalement de hanche s'est rétabli. Je n'avais pas spécialement envie que tout le monde le sache. Ce n'est pas ça. Tu penses à des choses intelligentes quand tu marches. Non. Tu m'aimes. Tu es épilé. Non. Tu as chaud. C'est ton rapport avec ta marche. J'ai du sexe à pile. Je recommence. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. Vous voyez pas la différence par rapport à... Si. Je vois. Non, mais regarde, il s'agit juste de te pécho depuis 2 mois, il en profite, c'est ridicule. Non, c'est très gênant, ça n'a rien à voir avec mon cul, ce n'est pas ça. Lâche. Je refais. C'est pas assez fort, tu n'arrives pas à me détacher de cette touche. Tu m'as déplacé mon string. Hop, voilà. Allez, je reprends. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça vient, je sais pas, de là. C'est un truc que j'ai convoqué ce matin. Feinteur. Refais. Bah non, j'ai pas refaire 12 fois. Soit tu le vois, soit tu le vois pas. De toute façon, c'est ça que tu veux. C'est ça. Je sais, je sais, mais vas-y. Je crois que c'est moi qui ai diffusé quelque chose dans l'air avec mon sexe à pile. Alors il le diffuse beaucoup mieux que moi, que toi, excuse-moi, mais... Et nous n'avons aucune culpabilité. Moi je vous préviens, je ne contrôle plus rien. J'ai laissé aller mon sexe à pile, il se diffuse un peu partout dans la salle. Tu dis, je ne réponds plus de rien. Ton pile, sexe à pile... Tu diffuses rien du tout, c'est ridicule ce que tu dis. Tu crois que t'es sexy? Mais pas du tout. Tu touches pas à ma zézette. Mais je touche rien, qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? On dirait que je te touche les seins, c'est ridicule. Je touche pas. Sexe à pile. Ah. Sexe. Ah. Ah. Aïe aïe aïe. Oh. Désolée. Je voulais juste m'asseoir en fait parce que... Je vous en prie, princesse, allez-y. Ah, princesse, ah je... Oui. Oula, désolée, hein, je... Il reste de la place peut-être. Oui, oui, je vous en prie. C'est... Alors c'est mon royaume, c'est ça que vous êtes en train d'insuffler? Tout à fait. D'accord. Vos sujets sont tous là. Et mes sujets sont tous là. Et ils sont prêts, oui, tout à fait. Attention, princesse. Oui. Ah oui, je suis fragile. Je suis une princesse fragile parce que je suis une femme fragile. Parce que je suis une femme. Donc je suis fragile, je suis une princesse. Mais je n'ai pas dit ça, je voulais juste dire que l'eau montait. Ah, on est à Paris, ok. Non, on est... Je suis une princesse fragile à Paris parce que je suis une femme. Oui, mais à Paris-Plage. C'est à Paris-Plage. Ah oui, c'est Paris-Plage parce que c'est l'été. Donc si c'est l'été, c'est Paris-Plage. On est en France, on est à Paris parce que c'est la capitale. Parce que les gens qui aiment la culture sont à Paris. En province, c'est bien connu. Les gens n'aiment pas la culture, les gens sont pour la télé parce que ce soir, c'est le foot. Hein, donc ici, on est à Paris. Les gens sont intelligents, sont cultivés. Ils n'ont rien à foutre du foot. Ils sont pas sur leur portable en train de regarder le foot parce qu'ils adorent ce qu'on est en train de faire, c'est ça? Moi, j'ai regardé le foot cet après-midi. Ah, moi aussi. Moi aussi. Moi, je l'ai pas vu, mais on m'a dit. 2-1. Hein. Ouais, 2-1. Oh, c'était un beau match, hein. Ouais. Ce qui paraît. Première mi-temps est un petit peu difficile. Moi, j'ai serré le cul de bout en bout. Il y a beaucoup de suspense, il faut le dire. Il y a eu du suspense. Beaucoup de suspense. J'ai adoré la pub. Je refais encore un tour, et puis... Les princesses. C'est pas facile, hein, d'être une femme libérée. Ouais, il a connu. Ah bah moi j'avais envie. Bah vas-y. Bon. Je connais que le début. Tu fais la parole. Ah non mais je connais pas, je connais que le refrain alors. Vas-y, moi je bouge la bouche. Plouf, plouf. Plouf, plouf. Plouf, plouf. Charlotte, j'ai un souci. Qu'est-ce que tu fais? Non, princesse, ils sont... Arrête, j'ai vraiment pas envie de ça en fait. Princesse, tu sens bon. Charlotte, j'ai un souci. Bah vas-y, dis-moi. Charlotte, mais je... Qu'est-ce que tu... Arrête. Arrête, j'étais juste... Je faisais juste le playback, c'est pas moi qui ai du sex appeal. J'ai jamais eu de sex appeal, je sais pas. Tu veux que je lui nique sa race? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Prends-le, tu fais quoi? Il était en train de me toucher, il est venu derrière moi. Elle exagère tout, je lui montrer un peu de sympathie, c'est tout. Mais Charlotte, tu as vu, il était derrière moi, il était collé derrière moi. Arrêtez, attends, on vit où là? Ça va, si on n'a pas le droit de s'approcher de quelqu'un, ça va? On va me faire un procès, c'est ça? T'aimerais qu'on te colle au cul comme ça? Ça dépend qui. Mais putain, mais regarde ce mec. Ah, c'est le lourdeau, le lourdeau express, quoi. Je vous demande un lourdeau, bah il est là. Ouais. Charlotte, mais si t'étais pas venue, mais je sais pas ce que... T'aurais fait quoi, connard? Alors attends, anatomie d'un lourdeau. Déjà, il est comme ça. Posture de merde. Posture de merde. Comment ça, posture de merde? C'est la posture de tous les hommes. Complexe de supériorité qui masque un complexe d'infériorité. T'approches pas de moi! Elles disent tout ça au début. Elles disent tout ça au début. T'avais un lourdeau, t'en as deux. Charlotte, je suis devenue un lourdeau. Charlotte, ah, je suis devenue un lourdeau, c'est mort, ça me contamine, je suis un lourdeau. Tu t'es en train de déconner, pardon. Ça va. Charlotte, c'est pour rire. Ok, de toute façon, Charlotte, je sais très bien que c'est pour rire. T'as pas un petit truc pour la petite biche? Arrête. Arrête, c'est bon là-haut. Mais non, attends, ça va. Non. Tu dis ça au début, mais... Non, je dis pas ça au début, je te dis ça maintenant, donc si tu recules, s'il te plaît. Tu recules, s'il te plaît. Quoi, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Charlotte, s'il te plaît, j'ai un souci là. Tu joues bien ton rôle de la fille qui résiste. Hein. Charlotte, s'il te plaît. Bravo, hein. Tu peux venir? C'est bien. Charlotte, s'il te plaît. Allez. Charlotte, elle est d'accord avec moi, elle sait très bien ce que tu fais. Elle connaît ton petit jeu. Viens, Charlotte. Attends, on va la conquérir par la danse. Ah, clac, clac, clac. T'es séduite? Clac, clac, clac. Bien. Elle commence à l'hypnotiser, regarde. Clac, clac, clac. Bam, bam. Alors que ma meilleure amie se transforme en Elvis Presley, c'est une chose. Mais j'espère que ça va pas durer très longtemps, ce petit manège ridicule. Je ne suis plus moi-même. C'est pourquoi? Parce que tu ne fais jamais pécho, c'est toujours moi qui me fais draguer, qui est à lui de me faire violer en boîte, c'est ça? Tu arrêtes! Non, non, qu'est-ce que je fais là? Eh ben ouais, je vais te violer moi aussi si ça continue! Ça va être du gros lourd, du lourd. Tu fais ce que tu veux. Je veux dire, vous n'avez pas la... Elle a l'air passée, celle-là. Il y en a une belle là. Attends-moi. Monsieur là. Compte pas sur moi pour te défendre. Non. Il s'en prend à mon cul. Non. Pas ça. Pas ça. Oh, je crois qu'il a besoin d'évacuer. On est là. On est une communauté réunie pour toi. Évacue. Dis-le. Tout ce que t'as sur la pensée, vas-y. Arrête. T'en as gros la patate, on le voit, on le sait, on le sent. Évacue. Je vois rien. J'étais là. Pendant 2 minutes au moins, j'étais... J'ai avancé, j'ai reculé. T'es fatigué? Bah oui, je suis fatigué. C'est pas le problème. C'est bien, ça montre que t'as réussi à sortir des choses. Que ton corps s'est activé. T'as pas fait ça pour rien? T'as brûlé au moins des kilos. Je sais pas si ça va l'aider, ça, tu sais. Tu sais quoi, t'as beau être mon frère. Et... rien. Ouais, vous êtes radicalement différents, c'est fou ça d'ailleurs. Vous ressemblez pas du tout. Je vais le refaire une fois. Ok? C'est la dernière fois que je fais une vague. Oh, ton frère, il est chelou. Vous vous rappelez tout le monde? Je fais une fois une vague. D'accord? Tu promets de pas te jeter sur une fille à la fin. Ça dépend de vous. Maîtrise-toi un peu. Oui, il faut que tu domines tes émotions. Je les ai dominées. Tu vois ce que ça donne? Je les ai dominées pendant 25 ans. D'accord? Ah. Ok? Je suis allé de constipation en constipation. J'ai eu le même problème. Un jour, ça lâche. Si tu veux pas que ça lâche... Ah. Ton frère, il est chelou. Allez, viens, on s'en va. Ça, il y a un truc. Ça sera pas pire que ce qu'on a eu. Oh non, mais elle aussi, elle est chelou. C'était génial, en fait. C'était... Non, c'est ça. Bien joué, allez, on change de conversation. Je vais faire ma vague, les gars. Ça, tout ça, c'est trop pour moi. Moi, je reçois les choses, hein. Faut pas m'en envoyer autant. En fait, c'était juste un fantasme. Mais tu vois, il y a des fantasmes, il faut les faire. Tu vas se faire violer, bah en fait, faut le tester, quoi. Faut le tester, faut l'approuver, faut le tester, faut le faire. On le refait. J'adorais. Ah là là, reviens-le-moi, c'était trop bien. Ah là là, quand tu m'as pris comme ça. Mais tu savais, cacahuète, j'avais jamais eu d'orgasme. Ça, moi non plus. Il paraît que c'est un syndrome connu. Il y a des femmes qui se font violer et qui éprouvent du plaisir. Elles disent que leur corps les a trompées. Parce qu'elles étaient dans une situation qu'elles ne voulaient pas et finalement elles ont eu du plaisir, donc elles sont perturbées. Ah, non, je ne suis pas perturbée. Non. Mais non, t'es pas perturbé. Non. 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 Non, non. Je suis une princesse. À Paris, c'est la crue. Et je suis pas perturbée. Non. T'es sûre? Tu veux dire que t'aimerais que ça continue, toi et moi? Oh oui, 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 bien sûr. Ça va pas être possible. Pourquoi? Tu veux plus me violer, c'est ça? Non mais... T'as plus envie de me violer? Je pense que ça part pas d'une bonne base. Mais attends, mais... Non mais tu fais pas partie de la même catégorie de filles, tu comprends? Mais je comprends pas, je comprends pas, j'ai tout fait. Moi je veux une fille qui résiste, vraiment. Mais je peux résister? Enfin, mais j'ai en plus tout à l'heure j'ai... C'est trop tard! C'est trop tard! Tu comprends? Tu peux pas m'abandonner! Il y aura personne qui me viendra comme toi! Et tu parles de ça si légèrement. T'as pas honte? Tu te sens pas sale? Alors on n'est pas fait pour s'entendre. Si je me sens super sale! Super sale! Trop tard. Charlotte! Charlotte, le violeur va me quitter. Charlotte! Charlotte! Violeur! Charlotte, violeur! Violeur! Je résiste! Je résiste! Je résisterai! Je résisterai! Jusqu'au bout. S'il y a un bout. Papa, pourquoi tu galères plus que maman? Parce que je viens de me lever. J'ai pas eu le temps de déjeuner. Aïe! Mais tu fais mal! Je fais ce que je peux. Écoute, je joue. Je fais de mon mieux, écoute. J'y arrive pas, écoute, je suis pas fait pour être papa, c'est tout. Bah t'es mon papa. Ben oui, je sais pas, je suis un peu forcé par la vie, par les circonstances. Tu fais pas sortir l'éléphant? Oh, petit éléphant, on sort. Attention, on va sortir. Qu'est-ce qu'il va dire, le petit éléphant? Oh, on le voit pas, attention. Attention, il va sortir. Il va sortir. Comment il s'appelle? Il s'appelle le petit éléphant. Il s'appelle comment le petit éléphant? Marcel l'éléphant! Allez, on va à l'école. Oui, ok. Non, pas l'école. On est obligé d'aller à l'école. Enfin, tu es obligé d'aller à l'école. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Est-ce que je peux aller prendre une douche, m'habiller? Mais ça coule. Ça coule. C'est bon, mais papa, tu fais mal. Papa, tu fais mal. Ah, tu fais mal. Excuse-moi. Sérieux, tu fais mal. Voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ici. que ici, il y a 40 ans, une femme s'est fait tuer. Elle s'est fait casser la nuque. Et depuis, tous les ans, le 26 mars, on revient ici pour commémorer sa mort, lui rendre hommage en quelque sorte. C'est une femme pleine d'espoir. Mon père m'a parlé de cette histoire il y a 23 ans, je m'en souviens. Et ça s'est passé comment? Une histoire un peu bizarre, elle était avec son mari ou son père, je sais plus exactement, et en fait, tu sais, une engueulade à la con, quoi, tu sais, un truc un peu, tu sais, drames familiaux, quoi. Voilà. Ça arrive tout le temps. Un truc de tous les jours. Voilà, un truc de tous les jours. Et donc, du coup, ça nous représente tous, ça nous touche tous. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que, on sait pas, ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être que tu vas voir ta femme peut-être, ou ton père, ou ta mère, et qui va péter les plombs et d'un seul coup te brise la nuque. Comme ça. Ouais, une mauvaise journée. Ouais, c'est ça. C'est ça les drames familiaux. C'est le stress en fait, c'est le stress de la société. Le drame du quotidien. Ouais, le drame du quotidien, exactement. Ça vous a... Vous avez jamais eu envie, ça vous a jamais traversé l'esprit de briser la nuque de quelqu'un de votre famille? Ça c'est les jours à je t'enculer, moi j'appelle ça comme ça. Tu sais les jours où tu te lèves et vraiment... T'es un peu vénère, quoi, tu vois. Et toi, tu te dis, ah, je t'encule. Ah ouais. Mais t'étais pas un mec, pourtant. Genre, je le dis pas, tu vois, mais je le pense. Okay. Je croise des gens et dans ma tête, je lui dis à lui, qui ne m'entend pas, je t'encule. Et ça soulage quelque peu... Avec ce niveau de vulgarité, tu le dis? Non, mais je me le dis dans ma tête. Ah, d'accord. Mais le mec ne sait pas qu'au moment où il me... passe devant dans le métro, en fait, je l'encule. Ah mais comment ça, tu dis ça dans ta tête? C'est-à-dire que tu es vulgaire dans ta tête, alors? Voilà, c'est ça. Ah, mais pourquoi tu te retiens avec nous, alors? Ah, bah d'accord, bah, je vais vous le dire. Je t'encule, je t'encule, je t'encule, je t'encule. Et ça va, tu te sens mieux? Bah, j'étais pas spécialement de mauvaise humeur. Excuse-moi, je sentais que t'avais un truc que tu voulais exprimer, donc c'est pour ça. Parce que moi, je suis toujours très très poli dans ma tête, en fait. Moi je te trouve trop poli, hein. C'est vrai? Ah ouais. On m'a déjà dit ça, on m'a dit ce genre c'est faux. Je pense pas vraiment les trucs. Essaye. Bah, vas-y, prends ma place. Ah! Moi j'essaie de devenir poli? Ouais, vas-y. Bah c'est chiant, hein. Non mais dis quelque chose, voilà. Bah je le ressens là de l'intérieur, je sens la politesse un peu partout. Ah excusez-moi, je suis pressée. Ah bah c'est pas grave. C'est ça? Ouais, vous... Bonne journée. Au revoir. Quand même. Je vous souhaite le meilleur. C'est pas très... Enfin je le sens pas de l'intérieur en fait. C'est très en surface. Ah bon? Ouais. Bonne journée. On se connaît pas, mais vraiment, et vous avez une poitrine incroyable. C'est vrai que t'as une super poitrine. C'est sympa. C'est vrai que t'as des gros nichons. J'ai vraiment pas envie qu'on aille là-dedans, mais... Ça marche pas. Je sais pas, je le sens pas. Non, parce que là t'étais plus poli, t'étais vulgaire. Voilà, moi par exemple, c'est pas la même chose. Quand je dis je t'encule en soi, c'est pas vulgaire. C'est un cri du cœur. C'est salvateur. Et ça fait moins mal qu'une nuque brisée. Et ça fait moins mal qu'une nuque brisée. Ah, c'est vrai. On va passer au dessert? Oui. Pas tout ça, mais... En tout cas, ça me fait du bien d'en parler avec vous. Comment s'en remettre? Okay. Joyeux anniversaire, Julie. Joyeux anniversaire, Julie. Joyeux anniversaire, Julie d'amour. Joyeux anniversaire. Elles sont là, les couches. Oui, vas-y. Sinon, on dit tous quelque chose sur toi. Ouais, aussi. On joue tous les mardis soirs. C'est à nous que tu dis quelque chose. Oui, quelque chose de sincère, quelque chose qui vient de toi. On est les gens qui te supportons au quotidien. Ton essence. C'est à nous que mais là, tu vois, je suis applaudie alors. Non, sincère, sincère. Des lumières sincères. Tu es déconnectée de ta sincérité. Parce que je suis une comédienne. Oui, bah, c'est un problème. Mais sois sincère, comédienne sincère, pas artificielle. Sincèrement, c'est tous les mardis. Non, sincère. Non, mais sincère, pas de marquage. Julie, je t'ai fait un gâteau pour ton anniversaire. Mais c'est pas un gâteau. J'ai un cadeau que je ne t'ai pas encore donné. Un cadeau, d'accord. Je ne te l'ai pas encore donné. Cadeau, et moi j'ai un gâteau et on allait trouver des putains de bougies alors qu'il était 7 heures moins. Alors tu vas montrer ta sincérité. Et je t'encule. Je voulais pas t'enculer le jour de ton anniversaire. Je voulais pas. Parce que quand il m'a violée, il m'a tout fait, alors c'est déjà fait. Là, tu es sincère. Non. Si, tu es... Non, c'était mieux, c'est mieux. C'était pas la sincérité, ça c'était un petit truc comme ça, de blague à 2 balles. Alors, vas-y. Allez, mais pète les rétros pour ton anniversaire. On pète les rétros. On a dit pas le matériel. C'est possible de refaire la même chose, mais en poli. Ouais, ok. Cool. Joyeux anniversaire, Julie. C'est moi qui ai fait le gâteau. Joyeux anniversaire, Julie. Joyeux anniversaire, Julie. Joyeux anniversaire, Julie. Si vous pouvez juste mettre vos patins, parce que je tiens à ce que ça soit propre à la maison. D'accord. Tu fais partie des gens chez qui faut enlever les chaussures, je déteste ça. C'est la politesse de l'hygiène, oui. D'accord, ok, donc tu vas nous donner des petites claquettes? Non, des trucs comme ça, non? D'accord. Ouais, voilà. C'est peut-être un peu lourd, tu veux que je souffle? Non, mais je vais couper le gâteau et on va tous en manger une part. S'il te plaît. Ouais. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Très sympa. Je vais prendre des petites assiettes. Ça me rappelle toujours 1977. Le 26 mai, le jour où cette fille s'est fait briser la nuque. C'est le 26 mars, tout à l'heure. C'est pas la même fille. Tu veux une petite part de gâteau? Oui. C'est moi qui l'ai fait. Merci beaucoup. Quand les gens sont pas polis, on a envie de leur briser la nuque. Il est bon ce gâteau. Merci. Qu'est-ce que vous mangez exactement? C'est Picard. Qu'est-ce que vous mangez exactement? C'est un fraisier. Il est très bon. Je suis sur la pâte d'amande dessus là, j'ai le J de ton prénom. C'est vachement bon. Moi j'ai le I. Moi j'ai toujours ton cadeau hein. Mais c'est un vrai cadeau ou c'est un cadeau genre tiens, oh, y a rien. Est-ce que c'est un cadeau que t'as vraiment, tu l'as acheté? Je te trouve hyper ingrate. Il t'a apporté un cadeau. Moi, par exemple, j'ai fait un gâteau, mais j'ai pas apporté de cadeau. Ouvre son cadeau. Bah, donne ton cadeau. On se demande tous ce que c'est. Ah oui, on se demande tous ce que c'est. Tiens, mon cadeau. Elle est en train de déformer mon cadeau. C'est un album, on a mis toutes nos photos dedans. Regarde, c'est Manu quand il était tout petit, avec son tout petit zizi. Ouais. C'est quoi, comment t'as cette photo? Ah bah je l'ai demandé à ta mère. Non, attends, faut l'enlever. Et attends, t'enlèves ça comment là? Non, c'est collé. Ah bah Cyprien, t'as toujours la même tête. Ouais. Attends, j'ai un t-shirt. Non, c'est collé, c'est collé. Non. Julie, on s'était fait chier pour le faire ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est pas un peu petit du coup? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Enfin, moi je suis un peu dégoûtée, j'ai mis tout ce temps à collecter les photos pour son anniversaire et ça passe complètement à la trappe. Manu! Quoi? J'ai passé tout ce temps à collecter les photos pour son anniversaire et c'est passé à la trappe. C'est pas grave, un cadeau c'est fait pour offrir, après la personne elle en fait ce qu'elle veut. Moi le manque de gratitude en faisant, moi ça me... T'avais vraiment un petit zizi hein. Oui, ça va. Ça va, j'étais petit, ça va, je faisais froid ce jour-là. En plus, c'était en hiver. T'étais incroyablement choupi, sache-le. Choupi. T'avais des chances à la base. Moi j'ai toujours mes chances hein. L'adolescence est passée par là. Arrêtez. Très beau shoot. 3-2, il y a 3-2 ce soir. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? J'ai pas de téléphone sur moi. Il y a 3 quoi? 3-2. 3-2. Alors quand tu es comme moi, que tu connais rien au foot, c'est un langage hyper facile. Tu prends un chiffre, un slash, un chiffre, c'est comme si tu t'y connaissais. Mais comment t'as su? Non, j'ai dit au hasard. Ah, t'as dit au hasard? Oui. Yahoo, Google, foot, Picard, chargé, YouTube. Amazon, YouTube, résultat, efficacité, Picard, précipitation du fou, l'équipe, but, l'équipe, goal, marqué, l'équipe, ouais, Picard. Allez, l'équipe, les bleus, Picard, l'équipe, marqué, un surgelé, Picard, l'équipe, ballon, Picard, mais le c'est surgelé, l'équipe, Picard, France, l'équipe, on croit en toi, Picard, France, l'équipe, tu vas y arriver, Picard. France. L'équipe Picard. L'équipe Picard. Vive la France. L'équipe Picard. L'équipe France. L'équipe. On est les champions. L'équipe Picard. France. L'équipe. L'équipe France. L'émotion a quitté cette équipe France. L'émotion a quitté cette équipe. Défaite quitter cette équipe. Défaite. L'émotion a quitté 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 cette équipe. L'émotion a quitté cette équipe. L'émotion a quitté cette équipe. Vive le foot! Ah. Vive le foot. Merci. Ah, on en revient toujours à la même chose. Hein. La vacuité du monde. La vague. Ah, on en revient toujours à la même chose. La vague. Ok, c'est le moment. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Je la vois. Elle arrive de loin. La vague. Elle se prépare. Waouh, c'est une belle celle-là. Waouh. Toute cette écume. Je sais pas si je suis prête. C'est un véritable tsunami! C'est un ouragan! Un typhon! C'est un événement! Elle arrive, elle arrive, elle arrive! Ah, sublime! C'était puissant. J'ai avalé la tasse au moins 15 fois, putain. J'ai du sel, mais plein la bouche. T'as du sel à pile. La vague. La vague. Damn. Tu vois, il a fallu que j'attende de me faire violer pour ressentir ça. Je l'ai senti. Je la voyais arriver. C'était comme une vague. C'était incroyable. Je la voyais. Ah, ça venait. Et ça revenait. Et ça revenait. Oh, et après, je sais pas, c'était le calme. Plus rien, plus personne ne parle. C'est une métaphore du coït? Non, là c'était pas une métaphore, là c'était... C'était concret. C'était tellement puissant. Eh ben moi j'ai rien senti en fait, j'ai tout fait semblant. Ça me rappelle la fille qui s'est fait briser la nuque. Le 26 avril. 1978. Tu me sais bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi juste tu dis pas bah non j'aime pas, je préférais aller voir le match? Bah parce que je me sens obligée de faire comme tout le monde. Et de faire comme si bah ça avait été bien pour moi aussi, mais voilà. Dis-le plus fort, je pense, Charlotte. Bah voilà, j'ai voulu faire comme tout le monde parce que je veux me faire accepter dans votre bande. Quoi? Je veux me faire accepter dans votre bande? Quoi? Mais t'es acceptée? C'est vrai? Bah oui. Mais attends, mais c'est pas parce que t'étais frigide qu'on peut pas t'accepter. Mais ça n'a rien à voir avec ma frigidité, bah, tu comprends rien. Je sais pas, tu te fais violer, t'as pas d'orgasme, excuse-moi, y'a un problème. Mais toi, tu... toi, t'es bloqué hein, du cerveau. Bah non. Si. Je suis pas bloquée du cerveau. Un petit peu quand même. Non, je suis pas bloquée du cerveau. Ah, si, quand même. Tu fais une fixation sur les choses. Ouais, ça se voit. Non. Au moins, vous m'avez dit, je suis la reine. Tu suis la reine. Non, mais t'es ce genre de fille, c'est pas grave. C'est un thème qu'on t'aime quand même. Faut que tu dézoomes, quoi, tu vois. On t'aime quand même. Non, mais attends, mais c'est nul là. C'est pas grave. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Franchement, mon objectif, c'est ça. Je me suis dit, moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de ressentir des émotions positives. Et là, vous êtes là, bah ouais, mais Julie, franchement, je encore. Ouais, on va débriefer, bah ouais, tu mettais toujours les mêmes thèmes. Alors, t'es revenu 3 fois. C'est bon là. Mais Julie, c'est pas grave. Non, mais ça va, je suis pas frustrée. Julie, non, mais Julie, c'est bon. Non, mais c'est vrai, en même temps, là, on la juge, on doit pas la juger, hein. Bah si quand même. On a commencé, on s'est fait un gros câlin en mode allez on prend du plaisir. Non mais faut arrêter l'hypocrisie, les amis on les juge quoi, faut arrêter quoi. C'est normal mais profite, c'est normal. Je sais pas. On t'aime quand même, même si on te juge, c'est pas grave. Mais en même temps c'est pour que tu t'améliores. Aussi. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Non mais toi tu joues et tu te tais hein. Non mais c'est constructif, c'est un truc constructif. Ouais c'est pour te construire. Voilà. Là pour le moment t'es une planche. Voilà. Oh non. Donc maintenant on va terminer. Alors, merci beaucoup d'être venu, c'était très sympa. C'est bon? T'as plus rien à dire? Ok, super. Alors, donc du coup... Julie, te barre pas! Non, je vois. Ok, d'accord. Donc merci à tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous venez de loin, vous avez pris le métro, vous avez raté le foot. Ouais, et qu'il y a des gens que vous avez croisés et vous avez eu envie de leur dire je t'en prie. Voilà. Et vous l'avez pas fait, parce que vous êtes polis. Ça, c'est bien. Et surtout... que les choses importantes dans la vie, parce que toi là-bas, là, je sais que tu me regardes avec ton sourire en coin et ton serre-tête dans la tête, je te vois hein, d'ici. Eh ben, je sais que tu nous aimes quelque part. Pourquoi c'est moi qui prends la parole? Pas parce que... Bah on se demande, hein. Voilà. Pas parce que j'ai une légitimité ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que j'avais envie. Voilà, c'est tout. Parce que je les ai un peu tous flousés en passant devant eux. Et donc voilà. Excuse-moi, si tu veux risquer une dernière vague, continue à parler, mec. Donc... Non, mais toi aussi, tu fais des fixations, hein. Ça va, arrêtez de... En fait, moi, je suis la plus saine du groupe. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'ose pas, parce que t'es la plus violente.